Dans cet épisode de Carnet de route, voyagez avec nous sur la route dans le sud de la province de Yunnan et illico presto jusqu'à la préfecture de Ronghe. Sentez l'énergie palpitante, un reco qui partage ses frontières avec le Vietnam et buvez une tasse de café gourmet. Goûtez au légendaire noué par-dessus le pont de Mengzi et émerveillez-vous devant de plus grandes mosquées de Chine. C'est le temps de relaxer à Carnet de route. Ici, c'est la Chine et là, c'est le Vietnam. Bon, ce pont sépare les deux pays et il y a beaucoup d'intéressantes activités de commerce interculturel. Nous sommes toujours dans la préfecture de Hong Kong et au lieu d'aller au sud vers le Vietnam, nous allons aller au nord. Je suis Greta Rogers et bienvenue à Carnet de route. Nous avons roulé de Jinping et avons passé une nuit reposante ici à Reco. Reco se trouve sur la pointe la plus au sud de la province du Yunnan et partage sa frontière avec Lao Cai, la ville la plus au nord du Vietnam. Le fleuve rouge sépare la Chine et le Vietnam ici et donc c'est plus surprenant de pouvoir goûter la culture vietnamienne dans la Reco de Chine. Certains endroits sont même tenus par des gens provenant de l'autre côté de la frontière, alors il n'y a pas besoin d'y voyager pour un vrai aperçu du Vietnam. Être une ville frontière comme ici à Reco a définitivement ses avantages. Vous pouvez entrer assez facilement à pied au Vietnam et vous n'avez pas à vous embêter avec les avions, les bus ou les trains. Vous pouvez partir en voyage d'un jour et y filer vite fait. Faites en sorte de vous assurer de vérifier les exigences pour les visas parce que vous ne voudriez pas attendre à la dernière minute. Cette ville frontière facilite non seulement le flot de personnes, mais aussi le commerce qui croît rapidement. En 1895, Reco a inauguré son port commercial et en 1910, quand les Français ont construit le chemin de fer Kunming-Haiphong, le commerce international a fleuri. Des cargos et des biens traversent Reco et les deux gouvernements travaillent main dans la main pour promouvoir les affaires. Depuis 2001, des foires annuelles de commerce frontalier se déroulent alternativement à Reco et Lao Cai. Les nombreuses boutiques vietnamiennes parsemant Reco sont des symboles de cet esprit d'entrepreneuriat interfrontalier. Il y a toute une ambiance de commerce ici. Et les Vietnamiens empilent littéralement d'énormes quantités de biens qui tiennent notre peine et misère en équilibre. Le matin passe pour le moment le plus occupé pour le commerce et ça se calme vers midi. C'est une rue de nourriture vietnamienne et c'est juste derrière le marché. Vous savez, ça me rappelle mon voyage au Vietnam. Juste les gens, le langage, les odeurs, la bouffe. Les ventres qui gargouillent, c'est le temps de carburer à la délicieuse cuisine vietnamienne. Ces femmes cuisinent en grand et c'est facile de satisfaire votre curiosité et vos papilles gustatives puisque la nourriture est fraîchement préparée directement en face de vous. C'est vraiment génial et vous savez, c'est justement tellement représentatif de ce qu'est la cuisine vietnamienne. Vous savez, c'est simplement léger et goûteux. Ah, j'ai trop envie d'embrayer avec le déjeuner là. Avez-vous cuisiné ça? Vous cuisinez? Oui. Vous trouverez une bonne femme. Vous avez une femme? Non. Ah. Ok, un bon mec vietnamien qui cuisine super bien. Ce touriste japonais apprécie le climat ici et dit que l'ambiance est assez différente de la Chine qu'il connaît. Ouais, j'adore la lime épicée, mettez ça là-dedans. Cet endroit est comme un paradis pour les amoureux des légumes. Il y a beaucoup de légumes frais, des brocolis, beaucoup de vitamine C. On aime ça, la vitamine C. Des trucs trop bons. Tout frais de la terre. Il n'y a rien pour battre ça. Une autre chose qui vient fraîchement du sol sont les gourmets grains de café du Vietnam. C'est vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Vous savez, dans un pays où on boit principalement du thé, c'est assez inhabituel de trouver un vrai bar à café. Mais bon, avec le Vietnam juste de l'autre côté de la frontière, il exporte aussi naturellement sa culture de café. C'est parfumé. Laissez-moi goûter à ça. Délicieux. C'est bon. Reco est un endroit tellement vif et dynamique. Vous savez, c'est comme n'importe quelle ville frontalière, c'est pseudo-bruyant, il y a des gens qui crient, qui remuent les mains.
tout semble simplement un peu plus chaotique et bordélique, et je pense que ça devrait être comme ça parce que ça rend les choses tellement plus intéressantes et plus dynamiques. Vous ressentez carrément l'empressement des gens qui veulent en apprendre sur la culture des autres. Ils font du commerce, vous savez, ils parlent la langue de l'autre. Et le meilleur de ça est que je peux faire du shopping ici à Roko sans avoir à passer la frontière et je peux aussi me prendre une bonne tasse de café. Somme toute, Roko est un bon endroit pour obtenir vos produits de base ou n'importe quel autre besoin d'achat possible. Les enseignes sont autant en vietnamien qu'en chinois. Les étagères sont remplies de produits des deux nations. La variété est aussi chaude que le climat et à part la rue du Vietnam, il y a d'autres artères commerciales en arrière. Le tout à deux pas du poste de contrôle de l'immigration. Leur rush commence à 8h, heure de Chine, et 7h, heure de Hanoï. Ces Vietnamiens sont sérieux en affaires et savent comment profiter du statut de Roko comme ville portuaire majeure de la région. C'est vraiment fou! Les gens courent à travers la frontière, il se passe tellement de choses ici, l'animation et le prix au bout de la journée de cette incroyable course est essentiellement de faire le boulot. Roko était située au long de la route de la soie méridionale et elle commençait au Sichuan, passait à travers le Yunnan jusqu'à Roko, et continuer vers le Vietnam là-bas. Et vraiment, aujourd'hui, pas grand-chose à changer. Je veux dire, le commerce fleurit, en fait. Roko, en tant que frontière, a récolté nombre de bénéfices économiques. Mais le meilleur de tout ça est l'influence interculturelle qui a donné à cet endroit son vrai caractère. Avec un peu de réticence, nous avons quitté le point le plus bas de la province du Yunnan à seulement 76,4 mètres au-dessus du niveau de la mer et sommes montés vers Pingbian. Eh bien, Pingbian pourrait être la seule région autonome Miao ou Yunnan. D'autres minorités ethniques comme les Zhuang, les Ya et les Yi habitent la région. La population totale est forte de 150 000 âmes et déborde de diversité ethnique. Mais on ne s'est pas vraiment éclaté sur la route, par contre. Dans cet épisode de Carnet de route, voyagez avec nous sur la route dans le sud de la province du Yunnan et illico jusqu'à la préfecture de Hong Hau. Sentez l'énergie palpitante à Roko qui partage sa frontière avec le Vietnam et ayez une tasse de café gourmet. Goûtez au légendaire nouilles par-dessus le pont de Mandzi et émerveillez-vous devant une des plus grandes mosquées de Chine. C'est le temps de relaxer à Carnet de route. On dirait qu'il y a un truc qui se passe, là. Présentement, ils sont en train de fixer la route, là, et nous venons de faire 50 km sur l'autoroute de Roko, et on a 30 km à faire avant d'arriver à Pingbian. On dirait que personne ne va nulle part à ce stade, mais je dois avouer que l'air extérieur est très frais et que la réserve naturelle de Daweishan n'est pas trop loin. Oh Seigneur, il y a encore de l'air qui s'échappe. Ça s'éternise tellement. Nous avons passé la ville de Pingbian et nous nous dirigeons à cette attraction numéro 1 qui est Daweishan. Et c'est une réserve naturelle et c'est génial. Mais comme nous étions en route, notre pneu a crevé et ça, il s'est complètement dégonflé. Nous avons la situation en main, mais vous savez quoi? Nous avons un chauffeur, une équipe très compétente et les hommes vont régler ce problème alors que nous attendons. Nous devons juste fixer ce pneu. Nous n'allons nulle part. Ok, oui, tu peux le réparer. Encourageons tous Peter. Répare ça, Peter. Bon, j'ai une question. Pourquoi les pneus sont si différents? Ce pneu est énorme, c'est gros, c'est normal, non? Là, il y a le pneu de secours. Évidemment, c'est un pneu de secours, mais il est tellement petit. Regardez, on va voyager comme ça, là, et vous êtes probablement assis en pensant, genre, je sais, moi, pourquoi, parce que je suis un mec.
Après le petit anicroche sur la route, nous sommes finalement arrivés à la réserve naturelle de Dawishan. Située à 3 km au sud-est de la ville de Pingbian, ce climat chaud et humide est un terrain propice pour une faune et une flore exotiques. Ça coûte seulement 40 renminbi pour entrer dans cette verdoyante zone protégée. C'est donné pour une zone oxygénée de niveau mondial et un spa naturel pour les âmes lasses. Le terrain vertical et accidenté ici a nourri une diversité de plantes, une des plus importantes en Chine. Et je suis tombée sur quelque chose de plutôt particulier. Lithocarpus longipedicillatus. Qu'est-ce que c'est? Attendez un peu, ça me semble étrangement familier. Ah, j'ai une idée là. Je pense que ça doit être le sort que Harry Potter utilise dans ses films. En fait, ils ont pris des noms scientifiques de ces arbres. Laisse-moi essayer. Lithocarpus longipedicillatus. Oh, je pense que je viens de découvrir le secret de la téléportation. Je recommence. Lithocarpus longipedicillatus. Lithocarpus longipedicillatus. Je viens de voyager dans le temps et l'espace. Vous savez pas à quel point c'est énorme. Lithocarpus longipedicillatus. Ok, je pense que j'ai épuisé mes trois essais. Eh bien, on dit que les meilleures choses dans la vie sont gratuites, mais une dose de magie pourrait embellir le tout. Wow, ces marches en bois sont assez glissantes. Vous devez être vraiment prudent et vous tenir, particulièrement après que la pluie se soit pseudo-posée sur le bois. Je pense que j'ai besoin d'un autre sort. Magnifique. Vous savez, c'est une telle forêt primitive. Ouf, ce vieil arbre, il a fait son temps. Ouf, laissez-moi juste étirer ma jambe pour l'enjamber. Ouf. Moon under my feet, I feel the sky tumbling down, tumbling down. I feel the earth move. Woo! Nous n'avions que le temps de visiter la réserve naturelle d'Awishan à Pingbian, mais ça a laissé sur moi une marque verte avec cette variété sauvage de flore et faune. L'hébergement dans cette ville fut un lit confort avec une douche chaude décente. Mais avant que nous partions, c'est le temps de faire du chapeau. Oh, directeur, est-ce que je peux vous emprunter 300 couettes? Fantastique. Vous savez, des fois, même dans un petit endroit comme ça, je peux pas trop les comprendre, mais il y a la langue de l'argent. Ok. J'ai fait mon achat. Je vais devoir rendre les 300 coins à mon directeur, mais je pense que ce n'est pas un achat impulsif. C'est une si belle jupe et tout est fait à la main. Vous savez, cet endroit est la seule région autonome Miao à Honghe, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut entrer dans une boutique comme ça et trouver quelque chose de si authentique. Alors, je pense que des fois, vous devez juste faire confiance à votre instinct de femme. Bon, cet endroit est simplement rempli de tellement de couleurs et de diversité que j'aime vraiment ça. Et même si je comprends pas vraiment tout ce qu'elles me disent, elles ont simplement le sens de l'honnêteté. Je pense que j'ai payé un bon prix pour... Non? C'est honnêtement un bon prix. Nous allons ensuite à la cinquième plus grande ville de la province du Yunnan, qui abrite une partie de la minorité ethnique, Hui, ici dans le sud du Yunnan. Cette glorieuse ancienne capitale de la préfecture de Honghe est nulle autre que Gejiu, qui est située juste au nord de Pingbian. Ça, c'est Shidian, la demeure d'une des plus grosses et plus impressionnantes mosquées en Chine, ici à Gejiu. Le Yunnan est riche en culture islamique et la mosquée Shadian dessine une impressionnante silhouette. Elle peut contenir 4000 personnes pour une prière congressionnelle. Shadian s'est même mérité la réputation de petite Mecque du sud du Yunnan,
parce que beaucoup d'étudiants chinois musulmans d'ici sont allés en Égypte pour leurs études. On peut retrouver l'islam partout à travers la province du Yunnan, où l'harmonie religieuse est l'ordre du jour. Environ la moitié des 55 minorités ethniques sont réunies dans cette région, alors la religion et la culture au Yunnan sont aussi diverses que possible. Des chapeaux traditionnels des minorités ethniques au hijab des femmes musulmanes, vous les verrez tous ici. Puisque son origine au Yunnan date de 1253, l'influence de l'islam a certainement parcouru bien du chemin, changeant la façon dont les habitants vivent et prient. Nous sommes à Guizhou présentement et c'est tellement intéressant de tomber sur ça, une mosquée. Le sud du Yunnan est un mélange hétéroclite de différentes religions allant du christianisme, du bouddhisme à l'islam et sans oublier les plusieurs minorités ethniques qui ont leur propre type de croyance spéciale. Je pense que c'est ce qui fait du sud du Yunnan un endroit si unique. Guizhou a ses racines comme établissement minier et s'est construite autour d'un lac au sommet d'une montagne. L'exploitation minière de l'argent remonte à aussi loin que la dynastie Yuan, il y a quelques 800 ans. L'industrie de l'étain s'est développée progressivement dans la seconde partie du 18e siècle. Et pour saisir sa pleine gloire, ceci est l'endroit où être. Vous pouvez regarder les artisans en action ici, mettre le merji à l'œuvre. Le chemin de fer français relié au Vietnam a alimenté le succès économique de Guizhou dans les années 10. Cette ville a commencé sa production dans les années 30 et leur étain comptait pour 80% des biens exportés sur le chemin de fer. Avec des ressources riches en étain, vinrent des produits d'une qualité exceptionnelle. Après avoir visité les installations ici, vous pouvez aller en haut pour vous émerveiller devant les œuvres finies. Je parlais à M. Lai, un pionnier de cette industrie qui a reçu de nombreux prix pour sa technique. Le fer blanc, un alliage à base d'étain, est considéré pour être le métal le plus précieux après le platinum, l'or et l'argent. Si vous êtes ici à Guizhou, c'est le cadeau parfait. Résistant, durable et facile à nettoyer, que ce soit comme ustensile ou bijoux. Fidèle à son titre trop proclamé de petit Hong Kong, Guizhou bourdonne d'activité après la tombée de la nuit, même alors que nous allions souper. Les spécialités locales sont cuites sur grille dans cette gare spécialement convertie. Ici, les stands de nourriture sont ouverts tous les soirs, offrant le meilleur des produits du terroir de Guizhou. C'est une ancienne gare de Guizhou transformée en stand de nourriture plutôt qu'en plateforme. Il y a des grilles à barbecue, mais il y a pas mal de nourriture, alors partageons l'amour. Peter, veux-tu venir ici et goûter un peu? Laissez-moi vous présenter Peter. C'est notre assistant caméraman de confiance. J'ai mangé 3 insectes à Hongre, alors je pense que c'est un peu trop petit pour toi parce que t'es un grand garçon. Laisse-moi te prendre un truc spécial. Ça! C'est un gros verre gras et c'est cru. Alors je pense que tu devrais essayer. Oui, avec une petite soucoupe. N'est-ce pas délicat?
Voilà, avec le plus grand honneur pour mon invité. C'est comment? Emplacement parlant, Kuju semble tout avoir. Entouré de deux grosses montagnes avec un lac naturellement modelé pour un accident minier dans les années 40, qui offre ainsi un site pittoresque aux gens du coin. Mais plus que tout, elle est prospère à cause de ses abondantes ressources en étain. Mais on dit que Mangdzi a de légendaires nouilles par-dessus le pont et vous ne pouvez quitter la préfecture de Hongre sans y avoir d'avoir goûté. Nous venons juste de passer la nuit à Gujo, qui est surnommé Petit Hong Kong pour ses brillants néons. Et en 30 minutes, nous avons roulé jusqu'à Mangdzi, qui est plus célèbre pour ses nouilles par-dessus le pont. Et vous pouvez voir qu'il y a un énorme bol en fer blanc là-bas qui décrit l'histoire et essentiellement la tradition ici est de les manger dans un énorme bol. Alors c'est ce qu'on aura pour brunch. Ok, c'est ce que j'aime de la cuisine du Yunnan. Ils ont des fleurs comestibles. Ça, c'est des chrysanthèmes. Alors, on va simplement couvrir le tout avec ces fleurs. Et voilà, c'est ça, votre propre guodian mixian. Et c'est le plat signature de Mangdzi. C'est bon. À la soupe. Mangdzi vient tout juste de devenir le gros joueur dans la région, puisque le gouvernement préfectoral a déménagé ses locaux de Gujio à ici. Et le transfert de richesses a apporté d'étincelants monuments. Mais revenez-vous un souffle d'histoire. En 1886, l'âge d'or de Mangdzi était coloré par son importance en tant que centre de commerce pour la mission française. Les Français ont laissé derrière eux leur empreinte architecturale, dont la pièce la plus importante est celle-ci. Bisa Chai. Ceci est la plus ancienne gare au Yunnan et fut autrefois un arrêt important sur l'ancien chemin de fer Yunnan-Hanoï. Construit entre 1901 et 1910 par les Français. Après avoir absorbé un peu de nostalgie à Bisa Chai, nous avons dû reprendre la route à nouveau. Mais là, notre prochaine destination est à seulement 3 heures au nord de Mangdzi. Nous voulions inclure Kaiyuan, mais nous savions que ces attractions avaient été démolies et que c'est présentement plutôt du développement flambant neuf. Malheureusement, nous avons dû passer Kaiyuan en filant pour se rendre à minuit là à une heure raisonnable. Mais au moins, nous avons pu faire nos au revoir et peut-être aurons-nous plus de chance la prochaine fois. Avec Kaiyuan, qui prospère en tant que nouvelle ville industrielle, beaucoup de gros camions passent fréquemment ici. C'était plutôt embêtant pour notre conducteur, comme il avait constamment les pleins phares qui venaient en direction opposée. Le verdict de notre conducteur? Essaye d'éviter de conduire sur cette portion dans le noir. Il dit que les conditions routières n'étaient pas optimales, pour le moins. Eh bien, Mille est connu pour son vignoble. Attendez-là. Oui, c'est ça, un vignoble au Yunnan. Et nous avons réservé pour y passer la nuit pour reposer nos têtes lasses. Nous y sommes! Oui! Je suis tellement endormie, là.
Nous avons roulé 3 heures depuis Mangzhou pour venir ici. Blah. Et c'est un vignoble. Mais présentement, je veux juste un peu de sommeil. Là. Je sais que c'est beau, que ça va être génial. Mais en ce moment, nous avons juste besoin de régler pour l'hébergement. Allons voir. Ah, ça sent très bien. On va rester ici la nuit. Ah, regardez, c'est un bar. Peut-être que je vais juste prendre un café des cas pour ce soir.